On fait un match où on essaye de tricher un peu, de proposer de l'alternance en défense pour pas que Villeneuve rentre dans son rythme, on va dire. Collectivement, arrive à se trouver parfaitement et avoir des bons tirs. Donc on essaye de les perturber un petit peu. On sait qu'avec les matchs d'Euroleague, c'est compliqué de travailler sur l'adversaire pour elle, donc de regarder ce qu'on fait en défense. Donc voilà, on a essayé un petit peu de faire ça. C'est dommage, on n'a pas pu alterner un peu plus, mais on a essayé de les faire déjouer. Je pense que c'était plutôt pas mal. Après, on laisse trop de rebonds off. Malheureusement, on perd des ballons, on a plus suite, elles reviennent. Voilà, on a manqué d'adresse aujourd'hui. On n'a pas shooté avec la même adresse que les autres matchs à domicile. On est qu'à 36%. On a deux joueuses qui scorent beaucoup en première mi-temps. Il aurait fallu avoir une deuxième ou une troisième qui soit là. C'est pas de la frustration, c'est un match qu'on aurait peut-être pu. Après, Villeneuve reste une très très bonne équipe. On avait une stratégie, on s'y est tenu. Déjà, savoir appliquer un plan de match au début, on n'y arrivait pas forcément. Je parle de l'année dernière où parfois on faisait complètement à côté de la plaque. Là, on arrive à l'appliquer. Ça joue dur en tout cas. Et c'est vraiment pour ça, pour ces matchs-là, qu'on joue au basket, quoi. Contre des vraies joueuses, des joueuses d'équipe de France, des joueuses internationales. Il y a une vraie intensité, il y a une vraie bagarre qui est saine sur le terrain. Donc, avec un speaker qui met un peu de l'ambiance, des spectateurs qui se répondent. Ça nous motive encore plus sur l'avant-match et peut-être que sur le terrain on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que l'impact il est inconscient et l'intensité elle augmente forcément et l'électricité dans l'air elle est bien présente, ouais, on la sent. La confiance elle reste là, on sait qu'à domicile on fait des bons matchs, ça reste comme ça, on met vraiment de l'intensité dès le début du match et sur l'ensemble du match. Donc non, la confiance elle reste là, surtout à domicile, je pense qu'on peut vraiment ennuyer beaucoup d'équipes.